Les amis, petite vidéo de Canard Y, donc un petit suivi des vaches, pardon. Donc je vais acheter un joyeux pack à tous les enfants. Donc voilà. Donc on va commencer par cette femelle, elle couvre 6 œufs. Donc je les ai remis ce matin. Donc ça se fait. Voilà. Attendez, on va faire là ça. Voilà. Donc il y a 6 œufs. Donc on a fait une bonne porte. Donc on verra bien. Ici, il y a 3 œufs, donc il y en a 2 à elle et un à cette femelle-là. Donc ici, c'est pour le 4, pour le 9 ici. Donc, ça clôt le 9 normalement. Ici, c'est pareil, cette femelle a 6 œufs. Donc je ne sais pas si ils se sont donnés. Ils ont commencé en même temps, ils ont fini en même temps, ils ont fait leur journée. Ils ont fait leur journée de pause en même temps. Donc c'est nickel. Donc là il y en a 6. Là il y en a 6. Et là il y en a 3, 3 fécondés. Ici on les mirages c'est pour. Les mirages c'est pour le 8 ici. Les deux là on espère au moins 4 voire 5 fécondés quoi. Mais a priori le premier tour ils ont fait un 100%. Donc eux aussi. 100% dans les deux donc nickel. Ici on reviendra après c'est pour les jeunes. Donc ici cette femelle là. Elle recommence un nid, donc elle n'avait avait qu'un fécondé, donc comme je viens de vous dire, je l'ai déplacé cette femelle-là. On l'a fait recommencer. J'ai vu plusieurs fois le mâle l'accoucher ce matin et tout à l'heure juste avant que je prends la vidéo. Donc ça va peut-être le faire cette fois-ci. Voilà, si elle peut m'en faire 3 fécondés et un petit huppé dedans, ce serait génial, quoi. Voilà. Donc ici ça a éclos ce matin aussi. Attendez, je vais enlever ça parce que j'ai changé les bâtons tout le monde. Hop, j'ai changé les bâtons tout le monde. Voilà. Donc là je vais enlever ce mâle là, je vais le mettre dans une cage ici et je vais sûrement mettre ce mâle là, je vais essayer de voir vraiment si c'est un mâle quoi. Donc ici on va vous faire voir les jeunes. Donc il y a 2 blancs et 1 Isabelle. Voilà. Bon j'avais fait. Voilà. Ça pousse très bien. Donc Isabelle c'est à cette femelle là avec ce mâle là. Donc je la couplerai avec un de ces jeunes là. Voilà. Du coup, ils sont très très beaux, deux petits blancs, les deux premiers de l'année. Donc, on était très très impatients d'avoir des blancs. Ils sont enfin arrivés. Oui. Super bien. Les nids sont propres. Moi, je le fais une fois le matin, une fois le soir. L'hygiène, c'est très important. Si vous voulez pas avoir de soucis de poux ou quoi, c'est pas quand vous avez des poux qu'il faut faire la garde générale, quoi. Voilà. Donc moi j'ai fait les cages ce matin. Vous voyez, hein. Bon après voilà quoi, c'est comme ça. Ici c'est pareil. Ici ce nid là, je l'avais fait mais eux c'est. Je sais pas comment ils font mais ils chient énormément. Je sais pas pourquoi. Ceux du haut ça va encore, mais alors ceux du bas. Vous voyez, je l'ai fait ce matin. Voilà. Donc lui il y aura une petite tache, donc je vais pas garder ça dans mon élevage. On verra bien. Peut-être l'offrir à quelqu'un, à ma mère ou quoi, on verra bien. Voilà. Donc ici il y a 3 petits jaunes, 3 jaunes, ce sera des porteurs blancs. Voilà. Donc je vais refaire les nids après, bah, ce soir de toute façon je refais les nids avant de la lampe s'éteint, je fais les nids. Voilà. Voilà. Ici c'est clos ce matin, bon, elle est partie donc tant mieux. Et c'est clos ce matin. Un petit blanc. C'est le troisième. Donc espérons que le deuxième va sortir. Parce qu'il y en avait 2 sur 4. Donc espérons qu'il sort. Bon, s'il sort pas, c'est pas grave. Les blancs, on prend parce que les blancs. On en a pas énormément. Mais j'ai remarqué que le mâle empêche sa femelle de sortir. Dès qu'elle sort, il accroche. Bon, après, ça, c'est pas un souci. Et le souci, c'est que quand je se nourrit, il empêche quoi. Donc je ne sais pas, je vais regarder aujourd'hui. Donc pour l'instant j'ai que des bonnes femelles qui nourrissent très très bien les jeunes. Donc celle-ci c'est top, celle-ci c'est pareil, nickel. Ces deux-là, nickel. Donc là on va espérer qu'elle le nourrit quoi. Dans le pire des cas j'ai pas eu d'autres femelles pour le mettre avec elle quoi. Donc c'est où elle le nourrit ou il va mourir quoi. Bon après j'ai de la nitriburn, hein. Je peux le nourrir mais... C'est pas mon but cette année en fait. J'aimerais bien avoir des bonnes femelles.
Donc j'espère, on verra bien. On va regarder d'ici tout à l'heure. Bah, il est né aujourd'hui, donc premier jour, je m'inquiète pas, c'est plus le lendemain, quoi. On verra ça demain. Bon, j'ai déjà mis la pâtée quand même. Voilà. Ici. Donc tout se passe bien. C'est vrai, j'ai oublié de vous. Les jeunes, ils sont ici, vous voyez. C'est vrai, ils sont sevrés, ça, j'ai oublié. Je les ai oubliés. Ils sont tous sevrés, donc il y en a 7. Voilà. Donc c'est un peu le bordel, hein. Vous voyez. La cage a été faite, mais bon, après c'est des jeunes, donc je pense qu'ils ont pas. Ils mangent, ils trient. Ils trient vraiment ce qu'ils ont envie de manger. Après, les graines sont encore trop un peu dures pour eux quand ils sont jeunes. Voilà. Mais sinon, ils mangent tous. Ça fait trop, c'est le troisième jour qu'ils sont dedans. Donc, il n'y a pas de comportement suspect, un qui est en boule ou quoi. Voilà. Donc là, il n'y a que de l'Isabelle. Isabelle mosaïque jaune et un satiné dedans. Voilà, le satiné ici, vous voyez. Bon, avec le contre-jour, désolé, vous voyez pas, mais bon, j'ai mis la cage là. Voilà. Non, on peut le percevoir. Hein. Le chien derrière, petit dalmatien. Voilà. Dédicace à Cyril, hein, qui est une femelle. Bon, moi, ça a mal. Voilà. Voilà les amis, c'était une petite vidéo très courte. Bon, il n'y a pas d'explication, de toute façon, là, je vais pas. Voilà. Donc, on n'oublie pas de traiter les nids, hein, surtout. Tous les nids sont traités. Hein. Voilà. Donc, bah, il n'est pas traité vu qu'il n'est pas fait. Ici, je l'ai traité ce matin. Non, je l'ai traité hier, mais enfin, je l'ai nettoyé. Du coup, faut que je remets ici, il faut que je refais le traitement aujourd'hui. Voilà. Un petit dédicace à Canary Flow. Bon, grâce à lui, j'ai su sortir des poussins. Voilà, au premier de l'année. Voilà. Donc, on en attend, il y en a qui vont encore sortir. Bon, les amis, c'était Canary Greg. Salut!